Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Pour toutes celles et ceux qui me suivent, vous savez que je termine avec vous le vendredi. Nous sommes le vendredi 26 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif et le plus fort et celui que je nourrirai le plus. Eh bien aujourd'hui, pour terminer cette semaine, j'ai pigé amour. Et ton âme te dit aujourd'hui, eh bien je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très très important. Aime-toi. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée. Tu es imparfait, imparfaite, comme toutes les personnes qui t'entourent. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde, n'est-ce pas? Tu as été maladroit, maladroite, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. On est encore ici pour expérimenter. Mais aime-toi. Aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme, elle est parfaite. Et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Parce que ton âme est belle. Il se fait que les mauvais choix, ça a été l'ego. C'est pas ton âme. Tes guides, c'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois à partir d'aujourd'hui. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas, n'est-ce pas? Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. C'est tout en ton honneur. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard, eh bien, bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors, regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs, c'est important. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre, n'est-ce pas? Au contraire, mets de la lumière sur cette partie sombre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime. Aime-toi. Aime la vie. Aime ton passé. Aime tes expériences. Aime les évidences. Aime les synchronicités. L'entité retient cela de moi. Je t'aime. Je t'aime
pour toujours et à jamais, je t'aime. Mon amour pour toi a toujours été très fort, même si je n'ai pas forcément réussi à l'exprimer. Je sais que tu as attendu davantage de preuves d'amour. Je sais que j'aurais pu faire plus, te le dire plus, te le faire ressentir davantage. Cet amour est intact aujourd'hui. Je n'attends pas de retour. Je suis dans une énergie d'amour inconditionnelle. Je souhaite que tu le ressentes pour créer une nouvelle relation avec toi-même, pour que tu puisses avancer avec bienveillance et douceur. Tu peux ressentir ma présence le soir quand tu te couches, dans ta voiture, quand tu es assis sur un banc. Eh bien, je suis à tes côtés. Souviens-toi de la rose. La rose est l'un des signes que j'utilise pour me manifester. La rose est mon soutien. Ma présence est ton guide pour te connecter à ta beauté d'âme. Souviens-toi de cette énergie d'amour qui est ton essence. Oh là là, quel beau message, n'est-ce pas? Je termine avec la guérison des 5 blessures et c'est une carte encore de trahison que j'ai pigée aujourd'hui. Je décide de prendre conscience d'une situation, présente ou passée, où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je n'aimerai assez, je m'aimerai assez, pardon, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, eh bien j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour et j'ai la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Voyez, la synchronicité avec cette carte et la carte de l'amour de l'oracle de la voix des âmes. Belle synchronicité. Je vous souhaite une belle journée, un tout joli week-end, n'est-ce pas? Amusez-vous, riez, soyez dans la joie, dans l'amour inconditionnel, dans la tolérance, l'empathie. Tout ça, c'est important. Semez de l'amour et vous récolterez de l'amour. On récolte ce que l'on sème, n'est-ce pas? Je vous souhaite, un tout beau week-end, encore une fois. Et puis, On se retrouve, pour une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.